Ma mère chérie, c'est toi qui m'as fait voir la vie. Cette fille à laquelle je ne plais pas, et de l'avant je ne vais plus d'un pas. Maman, je te jure que je souffre, et beaucoup d'autres n'en ont rien que foutre. Je te prie de consulter les anges, surtout le mien, Michel Archange. Je quitte le lit de l'hôpital pour rejoindre mon village natal, car la vie pour moi devient dure. Il me faut renaître pour avoir un cœur dur. Que je souffre, et beaucoup d'autres n'en ont rien qu'à foutre. Je te prie de consulter les anges, surtout le mien Michel Archange, afin qu'ils me viennent en aide, car il est proche pour que je cède. Quelle cette indifférence, les plus nantis ont de la chance. Maman, 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 ma mère. Si je reviens sur scène, c'est à travers mes enfants ici présents, Black Autonome. Alors, ce sont les jeunes gars qui m'ont croisé quelque part en train de jouer sur la guitare. On dit, oh, papa, vraiment,
vous faites de la bonne musique. J'ai dit, ben, je suis égaré, je suis abandonné à moi-même. Il dit, non, papa, on va te faire vivre. Est-ce qu'on peut faire ceci, cela? J'ai dit, sans objection aucune. Et c'est pour cela que si je reviens sur scène, c'est à travers ces trois garçons-là. Ce sont, bon, vous savez, chacun de nous a une mère. C'est ta maman qui t'a fait vivre. Elle a fait en sorte que tu vois cet éclairage, que tu vois ce monde que tu n'as jamais connu, que tu n'aurais jamais connu sans elle. Mais pourquoi, après vous avoir enfanté, elle fait les différences entre ses enfants sortis de son ventre? Parce que tu as plus de moyens, tu es le plus beau fils de ta mère. Quand tu n'as pas de moyens, tu n'es pas son fils. C'est à peu près ce que j'ai dit dans cette chanson. Merci.